les chaperons, vive les Bretons. Ils veulent tout plein d'euros, vive les Morvandiaux. Ils sont venus jusque-là, vive les Auvergnats. Pour monter tout là-haut, vive les Provençaux. C'est un week-end spécial région et je dirais vive les Bourguignons puisqu'ils sont venus de la Bourgogne. Accueillons Marjorie et Georges. Georges et Marjorie. La Bourgogne est parmi nous. Et qui plus est, Georges, vous avez la grappe. La grappe du pays. La Bourgogne est parmi nous, s'il vous plaît. Accueillons nos amis bretons, Sylvie et Jérôme, la Bretagne. Oh, qui sont vous? Bonjour à vous. De quel coin de Bretagne venez-vous? Plouermel. Plouermel. Très bien. Merci à vous, bien sûr, d'être venus, amis bretons. Oh, c'est beau. Ça fait plaisir à Dédé, ça. L'Auvergne et la Provence sont représentés par Delphine et Olivier. Oh, quel bel instrument! Mais vous en jouez? Tout à fait. C'est pas vrai. Extraordinaire. Et vous jouez également d'un instrument? C'est exact. C'est quel instrument, vous? La flûte, c'est un galoubé. Un galoubé. Et puis un tambourin. Les deux en même temps. Les deux? Vous faites les deux en même temps? Les deux en même temps. Est-ce qu'on peut le faire maintenant ou pas? Si vous voulez. Ah bah oui, attendez, avec plaisir. Allez-y. Alors, attendez. Delphine, est-ce que vous avez besoin d'un coup de main? Non, c'est bon. C'est bon? Alors, les deux en même temps. Écoutez, son Altesse. Attention, 3-4. En descendant et en marchant, Delphine, mais quel talent! Delphine, s'il vous plaît, merci infiniment. Et enfin, accueillons, venus du Morvan, Colette et Bernard. Le Morvan. Ah, le Morvan. De quel coin du Morvan, Bernard? Château-Chinon. Château-Chinon. Il y a également de bons crus là-bas. Bienvenue à vous tous les deux. Merci bien de jouer le jeu. Et puis, on va aller voir... Tout de même, notre ami qui a également un instrument à la main, je me permets bien sûr d'aller voir notre ami si présent. C'est une espèce de cornemuse. Qu'est-ce donc, Olivier? Ça ressemble à la cornemuse, c'est hérité de la musette de cour. La musette de cour qui se jouait au XVIIIe siècle. D'accord. Et donc ça a été une petite dérive, ça ressemble un petit peu à la cornemuse ou au biniou. D'accord. Et vous pouvez juste... vous en faire quelques notes. Ah oui, quelques petites notes, parce que vraiment, vous avez un instrument extraordinaire. Voilà, la différence des bretons, on gonfle le sac avec un soufflet. Voyons, attention, faites attention. Bienvenue donc pour un week-end pas comme les autres, un week-end spécial région, et on applaudit Olivier, s'il vous plaît. Bonjour et bon appétit à tous. Alors c'est vrai que vos tenues sont magnifiques, merci vraiment. Marjorie, décrivez-nous un petit peu cette tenue alors. Alors c'est un costume qui représente la ville de Mâcon, antérieure à 1850. D'accord. Avec le petit brelichon sur la tête. Oui. Et les broderies sont au fil d'or, et plus il y a de broderies, plus la fille est riche, et les dentelles dans le dos également. Oh, comme c'est mignon. Plus il y a de dentelles, plus la fille est riche. C'est très mignon, bravo. Hein. Et Georges, alors vous? Il représente le vigneron. Bien, et bien écoutez, la Bourgogne, c'est charmant. Alors, ami breton, quant à vous, alors? Donc moi, je ne porte pas le costume de Plouermel, hein, je porte le costume de Pontivy. Bien. Donc ça s'appelle le mouton blanc, parce que c'est un des rares costumes bretons qui est blanc. D'accord. Alors en ce qui vous concerne, Delphine, expliquez-nous alors. Alors moi c'est un costume de Marseille. Oui. Avec une robe en piqué. Oui. Une coiffe en dentelle, tout est authentique ou quasiment authentique. Oui. La coiffe, bah, c'est un peu pareil que pour la Bourgogne. Oui. Plus la dentelle est grande, plus la fille est riche, on va dire. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est les dessous. Si ah, les dessous. Voulez. Alors, attendez, venez, venez. Alors, expliquez-nous. Ah oui. Alors, ça, petit jupon. Un premier jupon
Le plus joli, parce qu'il est dessus. Ah, le plus joli est encore dessous? Non, non. Celui de dessus est le plus joli. Bien sûr. Alors après, ah, il y en a un deuxième. Attendez. Il y a un deuxième jupon, d'accord, très bien. Un troisième jupon. Un quatrième jupon, mesdames et messieurs. Un cinquième jupon. Voilà. Et la petite culotte. Et il y a la grande. C'est le panty. Oui, le panty. Elle a également le panty, comme c'est mignon. Merci beaucoup, Delphine. C'est charmant, vraiment. Et alors, quant à vous, Colette, expliquez-nous un petit peu le Morvan, votre coiffe, votre tenue. Alors, qu'y a-t-il à dire des coiffes? Que c'est une coiffe authentique, qu'elle est du 19e siècle, qu'elle appartenait à l'arrière-grand-mère de mon époux, et elle est effectivement de la région de Château-Chinon, à 5 km près. Écoutez, merci à vous. Alors, je ne montrerai pas le dessous, parce qu'il y a aussi le jupon authentique, il y a la culotte fendue, je ne la montrerai pas. Attendez, expliquez-moi pourquoi. Il y a des jupons, il y a des culottes fendues. Il y a la culotte fendue. Pratique pour les grand-mères, pour faire pipi. Il y a les culottes fendues également. Regardez-le, vous allez. Partez, vous. Regardez-le, le cadreur, là. Mettez la pierre, Olivier, attention. Bien. Je vous souhaite, bien sûr, bonne chance pour ce week-end sur TF1. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour cette spéciale région. Nous vous souhaitons, bien sûr, la bienvenue à tous nos petits potes. Sur 100 Français, combien connaissent l'état de leur compte bancaire en permanence? C'est la première question. Vous êtes tous équipés de télécommandes? De petits jupons, de petits bérets. Allons faire un tour du côté de la Bourgogne. Qu'avez-vous répondu, Marjorie? 50, 1 sur 2. Bien. Ami Breton, vous avez répondu? 30, bien. Delphine, vous savez toujours où vous en êtes? Moi, pas toujours. Vous, Olivier? Pas tout le temps non plus. Non plus, vous avez répondu tous les deux? 50, tout comme nos amis bourguignons. Et Colette et Bernard ont répondu? 37, je crois. 37. La réponse à cette question est de 64. Eh bien, Delphine, Olivier, Marjorie et Georges, vous êtes les plus proches. Désolé pour nos amis bretons qui vont perdre un petit pote. Mais nous en gardons un, je vous rassure, Émilie Public. Bien, nous allons aller faire la fête. Prochaine question, destination Marseille. Je danse le mia. Combien de jours a duré la plus longue période sans pluie à Marseille? Combien de jours sans pluie maximum à Marseille? Ami Breton, vous avez répondu? 120. Delphine et Olivier, vous avez répondu? Je ne sais pas si on a été dans les temps, on voulait. 120. 120 également. Bien, oui, vous êtes très bien. Colette, Bernard? J'ai dû mettre 75, j'ai pas trop bien compris. J'étais en retard, c'est pas grave. 75? Oui. 75. J'étais sur 100, je sais pas. Ah, il y a marqué... J'ai un petit pote qui s'en va. Non, il y a marqué 5. Oui, parce que... j'ai pas appuyé assez fort. Vous n'avez pas appuyé... écoutez, attendez. Elle est un petit peu troublée, s'il vous plaît, pour moi. Est-ce que vous pouvez lui rajouter un 7? Parce que Colette vient d'arriver. Vous inquiétez pas. Voilà. Marjorie, Georges, vous avez répondu? 210. 210 jours sans pluie à Marseille. La réponse à cette question est de 97. Et bien, les plus proches sont nos amis, finalement, Colette et Bernard, pour le Morvan. Tout va bien. Jean-Luc. Oui. Cette période de sécheresse à Marseille s'est déroulée entre le 6 juillet jusqu'au 10 octobre 1906. Bien. Colette et Bernard, bravo. Nous allons perdre malheureusement un petit pote du côté de la Bourgogne. Restez là. Mais bon, il vous en reste un. Du côté de la Bourgogne, un animal typique bourguignon. L'escargot. Ah, l'escargot de Bourgogne. Très connu. Très, très connu. Un animal typique en Bretagne? En Bretagne, l'hermine. Bien. Delphine, en Provence? La cigale. La cigale, bien sûr. Colette et Bernard, dans le Morvan? Ben,
C'est l'élevage, hein, le charolaise, puisqu'on fait l'élevage, donc... Ah, vous faites l'élevage? C'est une région, enfin non, pas moi, pas nous personnellement, d'accord, mais c'est une région, a priori, d'élevage. Charolaise. Voilà. Eh bien, on va se rapprocher de la Bourgogne, ça va peut-être vous avantager, Marjorie et Georges. Combien de fois un escargot de Bourgogne peut porter son propre poids sur son dos? On apprend peut-être ça quand on est petit à l'école en Bourgogne. Alors je rappelle Jean-Luc que l'escargot est un mollusque gastéropode qui a l'estomac dans le pied et il a la particularité d'être hermaphrodite, c'est-à-dire qu'il peut être à la fois mâle et femelle. Bien. Delphine et Olivier. On a mis 20. Vous avez mis 20. 20 fois. Bien. Ami du Morvan, vous avez répondu 25, je crois. C'est bien affiché cette fois. 25, oui, c'est bien affiché, tout va bien. Amis de la Bourgogne, vous avez répondu 450. Ah oui, alors là, c'est au démarrage, là. C'est... Amis bretons 5. 5. Et la réponse à cette question est de 12. Eh bien, nous regardons, et ce sont les bretons qui sont les plus proches, finalement, de la réponse. Et désolé pour nos amis bourguignons. Georges, Marjorie, 450 fois. C'est pas moyen. Je suis désolé. On va quand même vous offrir un joli cadeau pour être venu de la Bourgogne et pour marquer l'instant présent. Voici un appareil photo instantané pour vous. On vous remercie encore. Oh, le bel appareil photo instantané. Plus besoin d'attendre pour pouvoir développer vos talents de photographe. Hop, la voilà. Merci à vous et bon retour à Bourguignon. Au revoir. Et attention à la grappe. Oui, bariton. Pour un ordre de grandeur, il peut porter 12 fois son propre poids sur son dos. C'est comme si un homme de 70 kilos pouvait porter 840 kilos, presque une voiture sur son dos. Oui, donc alors 450 fois, ça faisait peut-être un petit peu beaucoup finalement. Ça va être un TGV. Oui. C'est la question coquine. Cette question nous dit sur 100 hommes, combien sont fiers de leur sexe? Eh oui, c'est la question. C'est la question, juste en aparté, je tiens à saluer Alain Jacob, qui est le président, qui est ici même présent, de la Fédération du Folklore de France, que je vous demande d'applaudir. Car c'est lui qui nous a trouvé, bien sûr, toutes ces personnes. Merci bien, Alain. Il est fier, Colette, Bernard? Oui, oui. Oui, oui, j'ai même mis la barre en dessous, moi, parce que je l'ai mis un petit peu en dessous. Ah, vous avez mis la barre en dessous? Bah, 99, ça me paraissait. J'ai dit non, 98. C'est bien ce que j'ai mis, hein, c'est pas 8. Hein. Vous avez mis combien? La première, 98. 98. Oui. Ah, mais c'est vrai que, Bernard, vous avez mis la barre haute. Parce que on le voit juste ici, là, 98... Et mes petits potes sont toujours là aussi. Hein. Les deux potes sont là. Sylvie et Jérôme, amis bretons. Jérôme, est-ce que le breton est fier? Ça va. Ça va? le breton a monté à combien? 85. Oh, 85. Bien joué, bravo. Et notre ami Olivier, alors vous, on n'a pas parlé de votre tenue, elle vient d'où votre tenue, Olivier? Elle vient d'Auvergne. D'Auvergne, c'est le costume bourgeois que portaient les hommes aux alentours de 1880. Ah, donc, voilà. D'accord, je reconnais un peu le destin qui pousse en vous. Ouais, peut-être. Peut-être. Jean-Luc, oui. Je trouve que Olivier a un petit air à Benjamin Castaldi. Oui. Ah oui, ah peut-être, avec son chapeau, effectivement. Voilà. Olivier. Donc Benjamin pensait 70. Benjamin voilà. Pensait 70. Et Benjamin est le plus proche de la réponse puisque... Ah bah dis donc, la réponse est 69. Et Olivier, ça va? Vous êtes fier de votre réponse? Ça va. Ça se passe bien. Vous n'êtes pas ensemble hein, tous les non. deux. Hein, non, hein, non. On tient à le préciser. Alors que vous, vous êtes ensemble, Colette et Bernard, depuis combien de temps? 35 ans cette année. Eh bien, écoutez, joli. Malheureusement, vous allez perdre un petit pote. Bah oui, c'est ce que j'ai compris. Eh oui, en voilà bien une histoire. Au revoir. Mais il vous en reste un tout de même. Oui. Il part... Il va sauver... À la plage.
Parce qu'il a une, à la main, mon cousin, c'est une planche, en fait. Et donc, pour aller faire du surf, c'est le surf pot. Oui, le surf pot. Oui. Beer. La prochaine question va nous parler également de filles qui sont en tenue et que nous aimons ô combien. Question majorette. Regardez les majorettes passer. Elles ont pas un poil de trop sur les gantelles. Allez-y les filles. En quelle année apparurent les premières majorettes en France? Nous parlons bien sûr des filles. Les petites majorettes, Tammy Breton, vous avez répondu 1948. Merci beaucoup. Ami Delphine, ami Olivier, qu'y a-t-il Delphine? Je pense à la réponse qu'on a donnée. D'accord, vous avez répondu 1940, les majorettes. Pendant la guerre, c'est oui, pendant la guerre. Sous Pétain, ça n'aurait pas fait très chic. Excusez-nous. Colette. 1955. Mais 1955. La réponse? Eh ben 1961, bravo Bernard. Eh ben oui Bernard, bah tiens. 61. Jean-Luc. Nous faisons les comptes, oui. La Fédération nationale des majorettes de France fut créée en 1966. Il y a eu les premières majorettes, bien sûr, en 61, mais officiellement fut créée la Fédération en 66. Bien, Delphine et Olivier, vous allez perdre un petit rap-pot. Mais il vous en reste un. Mais maintenant, mes amis, c'est la dernière question que je vais vous poser. Puisque vous êtes tous à égalité, il faut maintenant vous départager par la question en or. Nous parlons de région aujourd'hui. Par la route, combien de kilomètres séparent Lille à Lille de Perpignan à Perpignan? Vite! Il faut être très rapide sur la télécommande. Question pour Colette et Bernard. Vous nous dites? J'ai dit 900, mais ça... Ah, ça y est, ça. 900 kilomètres. Bien. Ami Breton, vous nous dites? 800. Ami Delphine, ami Olivier, vous nous dites? 1100. 1100. Le public a l'air joyeux et ravi. La réponse est de... 1124, Delphine et Olivier. Bravo, quel joli parcours! Excellent à vous. Malheureusement, nos amis bretons vont partir, mais nous allons... On se disait, tiens, ça doit leur manquer. On va vous offrir un joli voyage en bateau, mais c'est sur les quais de la Seine, les bords de Seine, sur la Seine. Qu'un dîner ô combien romantique en bateau-mouche va vous être offert pour deux, bien sûr. Pour vous récompenser, voici un dîner en amoureux sur un bateau-mouche qui vous mènera sur la Seine jusqu'au bout de la nuit. Elle est pas belle. Merci et bon retour en Bretagne. Et bienvenue à tous, bien sûr, sur la marche suivante. Si vous venez de nous rejoindre pour cette spéciale région, alors, vous savez, Delphine, juste un petit air de pipeau, parce que c'est vraiment très mignon. Vous venez de la Provence? Oui. D'accord. Juste la flûte, alors. Juste la flûte. La flûte. Allez-y. Merci beaucoup, Delphine. Et notre première question nous dit sur 100 Français, combien rêvent d'avoir une maison située dans un village? La question s'adresse à Bernard et Colette, dans un premier temps. Combien rêvent d'avoir une maison dans un village? Vous vivez, vous, dans un village ou dans une ville? Dans un petit hameau. Un petit hameau, qui se nomme? Qui se nomme Lille-la-Porçon. Lille-la-Porçon. À votre avis, combien rêvent d'avoir une maison dans un village? Colette, Bernard? Au moins 75. Je dirais 75.
Au moins 75. 75. Dans 75. Ouais. Delphine et Olivier. On pense un petit peu moins. Un petit peu moins. Moins. Vous dites moins et la réponse est moins 50. Ça commence bien pour vous deux. Bravo. Une question, nous allons parler un petit peu musique et chansons. Écoutons cette musique. Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui s'en façon. Top ! Combien de bouts de bois l'Auvergnat a-t-il donné à Georges Brassens lorsqu'il avait froid, Delphine ? 4. Nous disons 4. 4. Bernard Colette ? Bah alors là, c'est une question piège. Moins. Moins. J'ai 3. Moins. Réponse en chanson. Elle est à toi, cette chanson. Toi, l'Auvergnat qui, sans façon, m'a donné 4. C'est la bonne réponse, Delphine. Excellentissime, bravo. Vous êtes donc en tout pile. Donc, vous le savez, avec notre partenaire TéléZ, un téléspectateur est tiré au sort parmi les bulletins de participation et papiers libres reçus. Il va remporter le même cadeau que vous et il se nomme... Il se nomme William Ezerzer ou Ezerzé à Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. William, donc. Et est-ce que nous allons l'avoir au bout du fil? Apparemment, oui. Oui, allô? Allô, William? Oui. Bonjour, c'est Jean-Luc Reichmann. Bonjour Jean-Luc. Comment allez-vous, William? Superbe. Je suis ravi de vous avoir. Eh bien, écoutez, nous également. Est-ce que vous passez un bon week-end, William? Superbe, superbe. Bon. Ce soir, on va fêter l'anniversaire chez des amis. Bien. Donc ça se présente bien. Bon, eh bien, écoutez, tout va pour le mieux. Grâce à Delphine, si présente, eh bien, vous êtes William Toupil pour ce week-end. Deux possibilités, bien sûr, d'enveloppe. Un petit cadeau ou un beau cadeau. Le petit cadeau, c'est une lampe pour faire disco chez soi. C'est toujours très rigolo. En revanche, le beau cadeau, c'est un baladeur MP3. Jaune ou orange, William, c'est la question que je vous pose. Orange. Orange. Ça va, Delphine? On est d'accord. Petit cadeau ou beau cadeau? Petit cadeau ou beau cadeau? Petit cadeau ou beau cadeau? William, dans l'orange, il y a... Ah, les petits cadeaux! Mais ça va faire disco chez vous, Delphine. Ça va être mignon. Ça faisait un peu disco chez vous, William? Oui, super, super. Eh bien, écoutez, regardez, ça va être encore plus joli. Dès que vous l'allumez, tout le monde se met à danser. C'est l'ambiance assurée avec cette boule disco. Fini les dodos. Et bien écoutez, n'oubliez pas de tourner les pages de notre partenaire parce que pour participer au Toupil, il suffit de bien sûr renvoyer le bulletin de participation que vous trouvez dans le magazine TéléZ. Vous pouvez également ne pas l'acheter TéléZ, c'est possible. En l'envoyant sur papier libre, à cette adresse, il n'y aura aucun souci. Votre bulletin pourra peut-être être tiré au sort. Je vous remercie bien sûr, William, et je vous souhaite un agréable week-end. Merci Jean-Luc, à vous-même, au revoir. À très bientôt, au revoir. Le pote de Delphine est Olivier. L'auvergne se porte bien, Olivier. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. La question va nous parler de la pelote basque. Quel est en grammes le poids moyen d'une pelote basque? Colette et Bernard, c'est à vous de jouer. Chacun son tour. 60 grammes, peut-être. 60 grammes, la pelote basque. Delphine et Olivier, tous les deux. Plus. Vous diriez plus. Quelques précisions de l'ami. La pelote se fait par un enroulement du fil sur lui-même protégé par une ou deux peaux en cuir. Et la fabrication d'une pelote est un travail long et méthodique car il prend près de 4 heures. Bien, et celle-ci pèse 120 grammes. C'est plus, Delphine et Olivier, vous allez monter à mes côtés sur l'escalier. Pour tenter bien sûr les 10 000 euros, je voudrais qu'on leur fasse une ovation, Bernard et Colette, pour être venus à la télévision du Morvan. Le petit bisou de rigueur. Et on va vous offrir quand même un joli cadeau. C'est un combi télé et DVD de 60 cm. Vous allez l'apprécier, j'en suis persuadé. Profitez pleinement de l'image et du son grâce à ce téléviseur 60 cm avec lecteur de DVD intégré offert par les magasins Pro et compagnie. Morvan, Colette et Bernard, elle vient bien sûr de la Provence, lui vient de l'Auvergne, Delphine et Olivier à mes côtés sur l'escalier.
Pour vous deux, bien sûr, 250 euros qui sont acquis pour commencer, bien sûr, l'ascension de l'escalier. Nous montons ensemble sur la première marche. Je vous y convie. Les Edelweiss, à partir de 1500 mètres ou de 4500 mètres d'altitude, c'est la question que je vous pose. Au début, ça semble assez facile. Olivier, vous nous dites quoi? 1500 mètres. Ah, vous dites 1500 mètres? Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que Delphine est d'accord également? Oui, moi je suis Olivier. Vous suivez Olivier? La réponse? Eh bien, c'est la bonne. Eh bien, c'est bien. Jean-Luc. Yes. Edelweiss ou Leontopodium alpinum de la famille des composés originaires des régions montagneuses de l'hémisphère nord, c'est aussi l'emblème de la Suisse. Bien, la Suisse donc. Eh bien écoutez, pour vous ça commence bien. Nous vous offrons bien sûr 500 euros plus bien sûr la lampe disco. Il va sans dire. Nous montons bien sûr sur la marche suivante pour 1000 euros en ce beau week-end de la télévision. Aïe aïe aïe. Ah, bah c'est son anniversaire. Et oui. Bon anniversaire, Jacques Dutronc, aujourd'hui. Lorsqu'il interpréta pour la première fois Les Cactus, Jacques Dutronc avait quel âge? 20 ans ou 23 ans? C'est la question que je vous pose. Je vais faire juste un aparté. Vincent, juste comme ça, toi, à ton avis, tiens, juste viens voir, juste une petite seconde. Juste une petite seconde. Toi, par exemple, excuse-moi. Toi, par exemple, toi, tu dirais. Vincent, toi, Jacques Dutronc, tu dirais qu'il aurait 23 ou 20 ans quand il a changé, quand il a chanté Les Cactus Alors, ça fait partie des choses dont je me fous. Mais pour les aider, tu dirais par exemple. Tu fais gaffe, il y a des mecs sur le plateau, ils sont déguisés. Vincent est un ami et Vincent est venu nous dire bonjour pendant le week-end sur TF1. Si! Mais non, je suis pas venu vous dire bonjour, je suis juste venu te dire que comme le big deal s'arrêtait à cause du football, j'ai 5 mois de vacances. Eh ben c'est très bien, profitez-en beaucoup. Bonnes vacances, Vincent Lagaffe. La question est assez sérieuse. Il n'a pas été très sympa. Tout de même. Il n'a pas été sympa. Il aurait pu un peu nous aider. Eh bien oui, mais il ne vous a même pas aidé. Rien du tout. Tiens. Olivier, Delphine. 23 ans. 23 ans. Sans conviction. 23 ans. Vous avez l'air d'avoir la mort dans l'âme. Complètement. Complètement. 23 ans. Ouais. D'accord. Et puis, pour faire plaisir à tout le monde, on marque une petite respiration et l'on revient juste après celle-ci. Aujourd'hui de Delphine et Olivier. Vous avez fait un sans faute pour l'instant. La question juste au préalable était Jacques Dutronc avait quel âge? Jacques Dutronc, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire à vous bien sûr. Lorsqu'il a chanté Les Cactus, avait-il 20 ans, avait-il 23 ans? Vous avez répondu 23 ans. Je fais juste une petite parenthèse pour vous dire que les 8 et 9 mai sur TF1, il va y avoir une émission spéciale. Et si nous avons vu l'ami Vincent Lagaffe juste au préalable, c'est que cette émission spéciale va vous réserver des surprises. 8 et 9 mai sur TF1. La réponse est de... C'est la bonne réponse. Et tout va bien.
On leur offre, Céan, 1000 euros. Ah ouais. Sympathique, spéciale région. Nous allons monter sur la marche suivante. Pour la question suivante, il va être question de carnaval et donc de musique. Music. Carnaval, carnaval. Carnaval de Brésil. Le premier carnaval de la ville de Nice s'est déroulé en quelle année? Soit 1294, soit 1594. Premier carnaval de la ville de Nice. Je vois que la pression commence à monter là. Hein. Ouais, c'est le trou noir. C'est le trou noir. Ouais, ah. Total. Mais heureusement, 1294, c'est la bonne réponse. Oh là 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 là. Alors là, c'est un sans faute. Nous avons pour vous donc 2000 euros à vous offrir. Ça va? C'est formidable. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Delphine? Moi, je travaille à EDF, hein, plus particulièrement la branche transport, c'est RTE. Et oui. Je suis au dispatching, donc c'est l'alimentation électrique de Paris et de la Normandie. Bien. Donc, si vous n'avez plus d'électricité un jour, vous pourrez dire... Non, non, je plaisante. Quant à vous, Olivier, que faites-vous dans la vie? Je suis étudiant en maîtrise d'économétrie. D'économétrie? Voilà. Alors, d'économétrie? Économétrie, c'est de l'économie et des statistiques. Ah d'accord, c'est voilà. Pas du tout de la déconnade ou du tout... Non, non, ça pourrait, hein, mais... Ouais, d'accord, c'est sympa quand même. Ouais, ouais. C'est... Voilà. Eh bien, écoutez, là, on va jouer pour la somme maximale aujourd'hui sur TF1. Je vous convie sur la dernière marche. Nous vous offrons bien sûr un an d'abonnement à notre partenaire TéléZ, qui propose des programmes de 95 chaînes du câble et du satellite, ainsi qu'un bulletin pour participer à l'émission. Et là, il va être question de mots, question de ponctuation, question de langue française. J'active la porte. De sortes de points différents sont recensés dans la ponctuation de la langue française. Point d'interrogation. Point d'interrogation, Olivier. Point d'exclamation. Exclamation. Le point tout court. Le point tout court. Les deux points. Les deux points. Point virgule. Point virgule. Une première possibilité pour 10 000 euros, Olivier et Delphine. 4. Qu'est-ce que vous dites, Delphine? Non, c'est plus. C'est plus? Oui. Bien. Deuxième possibilité pour 10 000 euros aujourd'hui. 5. Voilà, rien. Mais vous connaissez les réponses déjà? Si, c'est 7, non? Ben voyons, troisième possibilité. Moi, je suis très bien, 6. Voilà. Ouais. Et 7. Bravo. Et 7? Un tout-pile. Oui. Ah, voilà. Ben, là, il vous faut le tout-pile. Hein. Là, il y a 10 000 euros. 10 000 euros, c'est la somme maximale aujourd'hui. Concentrez-vous. Un premier choix dans un premier temps, et puis après il y aura un deuxième choix avec l'avis du public. Que nous dites-vous pour une première possibilité? 6 au début. 6 au début, d'accord. Dans un premier temps, 6, nous validons. Et nous demandons bien sûr... Alors, vous avez tous bien sûr des télécommandes. Vous avez votre petit pipeau toujours sur vous? Oui, oui. On va en jouer après, hein, toutefois. Hein, c'est, si on gagne, oui. Si on gagne. C'est un galoubet, Jean-Luc. Ah, c'est un galoubet. Exact. Quelle est la différence avec un pipeau, une flûte, un galoubet? En fait, ça a simplement trois trous. Ah, d'accord. Deux dessus, un dessous. Et on souffle de différentes façons, avec un souffle plus ou moins important, pour obtenir différentes notes. D'accord.
Pendant que nous papotons, bien sûr, nous allons demander ce que pense le public de cette réponse. Eh bien, le public est d'accord à 52%. Ah, il acquiesce donc. Il acquiesce donc. Est-ce que l'on garde? Est-ce que l'on change? Olivier et Delphine, 52% du public est d'accord. Il compte la virgule, c'est pas un point. C'est une marque. Alors, de attention. Vous, vous dites 6. On reste sur 6. Vous restez sur 6. Ouais. Vos amis disent 7 dans le public et vous restez sur 6. Vous n'étiez pas du tout branché là-haut, du tout, non, 4, 5, pas du tout. On les enlève pour voir? Je pense, ouais. Ah oui, oui. Y a-t-il 10 000 euros, par exemple, derrière? Quelle case voulez-vous qu'on dévoile? Le 4, on va commencer par le 4. Bien. Super. On joue pour 10 000 euros, hein? Ça va pour un étudiant? C'est pas mal. Ouais. C'est bien, ouais, hein? Ouais, ouais. À 10 000 euros, c'est bien. C'est bien. Quelle case dévoilons-nous maintenant, Delphine? Le 5. Y a-t-il 5 points différents qui sont recensés? Y a-t-il 10 000 euros aujourd'hui derrière 6 points différents recensés dans la ponctuation française? Mais oui! Le point virgule, le point d'exclamation, le point d'interrogation, les deux points et les points de suspension. On peut les applaudir fort, 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 s'il vous plaît. Demandez à tous nos amis du folklore français de venir en costume. De remercier nos amis bourguignons. Nos amis du Morvan. Nos amis bretons. L'Auvergne et la belle Delphine de la Provence. Merci à toutes, merci à tous. Je vous souhaite un très bon appétit et bien sûr un bon week-end en famille. Salut à tous!